السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مهم هاد الفيديو ان شاء الله غادي نديرها اليوم باش نبدا نهضر معاكم ديريكتوما على الدين جنا وعلى الجماليات ديال الاسلام الحمد لله وكل نهار غتكون اون تيماتيك ديفيرونت اليوم فكرت فيكم وكاين واحد ليدي ديال لي مالادي ديال الامراض اللي كاينين في الدنيا Et sachant que non nous sommes composés de trois composantes principales. Ria, Sidi et Lalla. Le corps, le 7 ferras Dialk, Lidin, Dialk, Kibda, Dialk, Ria, Dialk, Bref, tout ce qui compose ton corps comme organe et comme sens. Et tu as l'esprit, Dialk. Alors là, on parle de morale, on parle de personnalité, on parle de de comportement de défauts. et quelles ce qui mais qui les 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 maladies du cœur et les maladies du cœur la jalousie le euh, le le donc nous savons que pour le corps humain ou pour tout ce qui est organique, il y a la médecine, il y a la chirurgie, il y a les opticiens, il y a les dentistes, bref, il y a des remèdes pour ça. Nous savons que pour l'esprit, il y a des psychologues, il y a des psychomotriciens, il y a plein de, de spécialités dans ce domaine-là. Et la question à se poser, c'est quelle est la médecine du cœur Eh bien, je tiens à vous dire, mes amis, que la médecine du cœur, c'est Dieu et Dieu comment on peut le sentir et l'approcher c'est à travers ce qu'il nous a demandé de faire et lui c'est par gentillesse qu'il a fait ça Il nous a envoyé plein de prophètes tout au long de l'existence de l'être humain donc quand je dis nous je parle de la race humaine en général je ne parle ni de musulmans ni de chrétiens ni de je parle de race humaine avec un esprit dans ce sens là quand tu as euh, tu dois te rapprocher de dieu il faut que tu fasses ta prière chaque jour il faut que tu deviennes bon il faut que tu combattes tes maladies du cœur combattre ta jalousie combattre euh, ta paresse combattre l'acte euh, le le euh... bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. à la hada, 16 tu On n'a même pas le droit de 16 ou un être humain. La sexy si on 16 Bref, j'ai pas envie d'ouvrir ce sujet parce que pour moi, c'est un sujet clos. Ou la Et je. Je. Donc, pour les maladies du cœur, il faut devenir bon, il faut devenir gentil, il faut devenir euh, euh, altruiste, voir Dieu en chacun de nous et respecter l'autre comme si on allait respecter Dieu. Et si quelqu'un dit Toi, il, il s'est mal comporté avec Dieu parce qu'on fait partie de Dieu. Donc, mes amis, les remèdes pour euh, religieux, je dis bien, et musulmans. Les remèdes sont, sont clairs, c'est d'Ikr Allah. D'Ikr Allah, ça veut dire voir Dieu tout le temps et se rappeler de lui tout le temps et faire en sorte qu'il soit tout le temps en nous, dans notre esprit et dans nos actions. Et pour ça, il faut faire ta prière qui est obligatoire. C'est bénéfique pour le corps. Donc regarde, la prière. Tu l'as fait, c'est bénéfique pour le corps, pour la circulation, pour l'équilibre énergétique. Bref, je ne vais pas rentrer dans la science. Peut-être un autre jour, je vous parlerai de la prière en elle-même. Tu as le jeûne, par exemple, quand tu jeûnes ramadan, ou là quand tu jeûnes une journée, tu fais une purification le corps, purification les organes aller, purification plein de trucs. Et de ton esprit, bien sûr, par la force des choses. Ensuite, tu as zakat tu purifies ton argent. Ça veut dire que tu as de l'argent, le seul, tu dois purifier avec l'argent. Ensuite, après l'argent, tu as Shahada, bien sûr, il faut avoir la foi. C'est soit tu as la foi, soit tu l'as pas. Si tu as la foi, il faut la nourrir. Soit tu n'as pas la foi, tu dois chercher la foi pour avoir la foi, pour la nourrir. Donc, euh, et quand tu as la foi, quand tu dis que j'ai la foi, tu crois et tu ne doutes plus en Dieu. Et tu ne doutes plus. En, euh, en notre arme et notre euh, miracle sur terre qui existe maintenant, c'est le Coran. Le Coran, le Karim. Et je ne suis pas fou. Si je vous dis ça, je ne suis pas fou. Je suis heureux dans ma religion. Je ne vous dis pas ça pour vous plaire. Je ne cherche pas à vous plaire. Je cherche à plaire à Dieu. Je cherche à plaire à Dieu uniquement. Et je ne suis plus aliéné par les autres. Je suis aliéné par le regard du divin. C'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai qu'il m'arrive encore de faire des trucs pas bien que je ne devrais pas faire. Mais je combats. C'est un combat quotidien. Je nourris ma foi à travers mes actions, à travers mon cœur, à travers mon esprit. Il faut toujours être positif. Toujours, toujours, toujours. Et croire en Dieu, le Tout-Puissant. Et, et, et goûter en fait, et arriver au stade de commencer à goûter au plaisir de l'islam, à sa beauté, sa grandeur et, son, et sa cohérence en fait. C'est logique. Bref. Conseil, commencez à, votre, à faire votre prière le maximum possible, dépassez-vous, dépassez votre propre record, mais faites-le chaque jour. Essayez de le faire flourt et de toute façon, alhamdoulillah dans notre religion, ça nous permet d'avoir une un champ d'action inébranlable qui ne cesse de qu'on ne pourrait cesser d'améliorer et de parfaire. Donc on s'ennuie pas. Et quand tu as Dieu, tu as tout. Et je vous souhaite le bonheur dans cette vie et l'akhirah. N'oubliez pas l'akhirah. N'oubliez pas que Dieu existe. Ne vous oubliez pas. Soyez dotés d'intelligence. Il y a ulul albab, il y a albab, et ulil albab, c'est ceux qui sont dotés d'intelligence. Donc soyez intelligents. Sauvez-vous. Sauvez-vous de l'enfer. Ciao.